Du coup, je suis une VOD. Yo VOD. Je me suis trompée. Il semblerait qu'ici, j'ai raté quelques petites choses. Alors, on va faire des trucs. Déjà, ici, il y a quelque chose à récolter. Donc, on y va. Je suis à l'académie, au fait. Ah, c'est ici. Une rune dorée. Ça, c'est Yimb. Ah, mais non, mais j'avais pas besoin, je crois. Mais j'avais pas besoin de monter. Et comment on l'a, le truc, là-bas? Bah attends, mais il y a des trucs que j'ai pas récoltés là. Qu'est-ce que c'est que ce travail? J'ai fait cet endroit il y a 10 ans. Mercenaire de Tops. Va-t-on déclarer de l'académie? Champ de force de Tops. Mais Tops, qu'est-ce qu'il fait là, Tops? Tops. Mais Tops, il est mort, Tops. Tu me dis rien, toi. Oh, c'est Tops. Putain, c'est les gars à qui on a donné une clé en double qu'on avait de l'académie, du coup il est retourné ici et il est mort. Mais t'es naze, Tops. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi il est mort? Et surtout, pourquoi son bureau il est pile poil ici? Genre l'académie est immense. Trouve-toi un meilleur quoi? Moi je suis choquée. Oh punaise, je reviens au bon moment moi. Attendez, on a eu du coup un bâton de l'académie, on va voir. Même si je sais pas s'il est fifou. Mais j'en ai déjà des bâtons de l'académie. Ouais. Il m'a donné quoi? Une perle. Donc je pourrais acheter ses sorts. Et il m'a donné un sort. Attendez, on va le regarder. J'ai une... Putain, il y a Tops, il est mort. Mais c'est pas trop Tops. De pas être au Tops. Pardon. Allo Xela! Il a fait un top 100. Ah là, il a lose, hein. Ah là là. Alors, regardons les sorts. J'ai quoi? Qu'est-ce qu'il m'a donné, Tops? Je vais mettre à la place de ça. Ça, c'est à chier, ça. Chant de force de Tops. Érige un sang de force magique capable de renvoyer les sorts. C'est pas un stylax, ça. J'ai aussi ça. Projectile magique. Dans trajectoire, décrit un arc de cercle. Ça, je devrais l'utiliser, ça. Un truc qui renvoie la magie, c'est quand même giga la secla, quoi. La classe. L'épée, je m'en sers, mais je vais voir autre chose. Genre, imagine que je prends ça. On va tester. Peut-être pas le meilleur endroit pour tester la magie, mais bon. Attends, je teste. Ah, tronche. Mais envoie-moi un sort. Fais un effort, hein. Attendez, on va tester le renvoi de sort. Hey mec! Allez, sors ta baguette. Ah, mais du coup, je me prends la suite. Attends, je fais mon truc. Attends. Moi! Merde, c'est trop tôt. Ah, j'ai pas le temps. J'ai compris, c'est pas dingue. Ah! C'est pas foufou. Eh, j'ai 40 000! Attendez, j'ai 40 000 runes. J'avais joué à un Souls. Penses-tu que le jeu est accessible? Oui! Parce que moi non plus. Désolé, je réponds très tard. Parce que moi j'ai essayé, j'ai complètement l'expérience de quelqu'un qui n'a pas du tout réussi à accrocher aux autres Souls. J'ai essayé Dark Souls 3 l'année dernière, je crois. Non, c'était au début d'année. J'y ai joué une soirée. J'ai jamais réussi à m'y remettre. J'ai vraiment galéré de fou. Je me suis pas amusée.
J'étais ultra paumée. Bref, ce n'était pas la meilleure expérience que j'eus pu constater. Oh, je peux soigner la démence accumulée. Mais, à force, du coup, Elden Ring ne m'intéressait pas beaucoup, je dois l'admettre. Parce que je me suis dit, oh, c'est un Souls, c'est bon, j'ai compris, j'aime pas les Souls. Mais en fait, que suis-tu le passé ? À force de voir plein de gens y jouer, je me suis quand même intéressée, forcément. C'était difficile de passer à côté. Et... Oh non, ça c'est pourri ça. Et du coup, à force de le regarder, j'ai eu envie d'y jouer. À force d'avoir envie d'y jouer, j'ai fini par l'acheter. Et vraiment, j'ai pris un build plutôt facile à gérer. À savoir, mage. Je t'ai eu avant, nulos. De toute façon, j'ai rien à faire là. Et vraiment, j'ai vu une progression beaucoup plus douce. Et j'ai vraiment vu que, bah oui, t'as des boss où tu galères, t'as des trucs... Enfin, voilà, c'est un jeu plutôt difficile, mais il y a beaucoup de choses que tu peux utiliser pour te faciliter la vie. Si t'as envie de partir farmer pour Pex, tu peux. Si t'as envie de jouer avec des invocations, tu peux. Tu pourras même améliorer tes invocations pour qu'elles t'aident beaucoup. Tu peux faire des builds plus ou moins difficiles avec vraiment certains qui sont extrêmement puissants. Et du coup, bah ouais, moi j'ai choisi un qui était facile à maîtriser, à savoir mage. Et c'est pas ce qui fait le plus de dégâts, ce sera pas le plus spectaculaire en termes de dégâts, mais c'est un build très accessible, qui en plus est assez rigolo je trouve à jouer, et qui te permet quand même de jouer en prenant moins de risques que d'autres builds. Ça veut pas dire que t'en prends pas du tout, loin de là. Hein. Il y a quand même des boss qui sont plus durs si t'as distance qu'au CAC. Mais en tout cas, vraiment, je vois une grosse différence. Il me pose et là, c'est en pleine réflexion. Non, je discute là. Ah oui, tu regardes. Il regarde pas le live parce qu'il veut pas se spoil. Ça reste difficile à prendre en main. Après, je conseille vraiment de quand même... Enfin, moi, je mets du chat et je mets des gens que je connais qui jouent à Elden Ring et je conseille de faire ça. De voir avec des gens de son entourage et tout ça parce que quand on connaît pas du tout les Souls, on passe à côté de trucs. On passe à côté de trucs qui sont pas du tout instinctifs pour les gens qui jouent pas à Dark Souls. Ce qui était complètement mon cas. Et je suis encore passée à côté de trucs parce que si, c'est un jeu ultra riche. Et je trouve que c'est bien de s'entraider entre joueurs, quoi. Mais bon, la personne est peut-être partie depuis. J'ai peut-être mis trop de temps à répondre. Je pense qu'elle est plus là. Ou il est plus là. Tant pis. 52 000. Bon, bah, on va attendre un peu, hein. Attendre un petit peu. Alors! Ouais là non c'est différent, il a que les sous-titres en gros. C'est plutôt du VOS TFR qu'il a grisou là. Oh ! J'y suis allée un peu en mode YOLO là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bah y'a rien. En fait, ça me sert à rien. Attendez, faut que je descende. Mais je sais pas comment je peux descendre sans me blesser. Je pense que c'est giga trop haut. Ah non, je peux descendre avec l'ascenseur. J'ai pas un petit rebord où je peux me caler là? Parce que je le sens pas, moi, cette histoire-là. Ah oui, la personne est plus là. Ouais, ouais. Non, mais ça m'arrive souvent, ça, de répondre à des gens qui sont pas restés plus de 2 minutes sur le chat. Je vais juste plus répondre. Ça me gonfle de parler seul. Qu'est-ce que je fais, moi? Il est chiant ça. Alors. Je sais pas pourquoi j'ai pris une popo. Oh,
il y a une vierge de fire. Je vais tester mon nouveau sort. Idée de merde! Non, c'est pas ça, je sais plus comment on fait. Elle est comme ça. Oh non, elle va me bouffer! Elle me bouffe, elle me bouffe! Oh non! Je suis rentrée dans le vagin de la pierre de fer! Bordel! Talisman du chat à longue queue. Qu'est-ce que c'est que ça? Rend son porteur invulnérable aux dégâts de chute, mais ne protège pas des chutes fatales. De toute façon, en général, on prend tout rien, donc bon. Ça, quoi. Luciole de pierre d'éclat. Sympa, sympa. Je peux pas la looter, celle-là? Oh, moi! Bordel. Répondez à agression. Moi, du coup, il a coupé le son. Dites-lui que vous êtes là, que vous soutenez. Ou alors décrivez-lui l'action, comme ça. Comme ça, il pourra même plus lire le chat vu que vous le spoilerez. Ça me fait rire. Non, non, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un tombeau? Cendre de guerre perdue. On voudrait bien des cendres de guerre perdue, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula, ça par contre faut pas y aller. Attendez, il y a quoi ici? On m'avait dit qu'il y avait toute une zone de lave. On m'a menti. C'est de la flotte, hein. Et notre personne sait pas nager. Ou alors faut que je remonte par là après, mais j'ai pas de moyens. Peut-être à moi d'ouvrir cette porte après. Parce que c'est ça que c'est chelou le petit truc là tout seul. Alors je peux aller en dessous. Non, j'y crois pas à ça. Il est reparti à parler tout seul. Très régulier de l'Oxygilo. On va tâcher à te lire. Donc déjà eux. Donc eux déjà. Oh, Pianikyu! Il répond même pas. Il est trop dans sa bulle. Bon, alors je vais par où là? Oh, bah j'ai pas de... Je sais pas, on m'avait dit hein, une autre grande zone. En fait, c'est pas une grande zone. Qu'est-ce qu'on va y faire? Peut-être remonter. J'ai fait l'inverse là de remonter. Je suis plutôt descendue en fait. De manière fatale. Très bien. J'avais 40 000. Hein. On va les récupérer quand même. Je suis pas à l'aise là. Ah, pas trop. Mm-hmm.
mais là-bas, il y a des trucs aussi. Mais oui, je suis pas allée là-bas. Ah si, c'est le cimetière. Mais oui, mais dans le cimetière, j'ai pas tout récupéré, moi. Mais c'est pas là. Faut que je descende encore plus bas. Bon, attendez, j'irai là après. Voilà, on était plutôt là-bas. Il y a la Vierge de Fer, il y a la Vierge de Fer. Oh et oh et. Non. Bordel. Et puis merde. Je suis dégoûtée. Oh putain, c'est toujours point de toi. J'ai perdu 40 000. J'ai perdu 40 fucking 000. Bonsoir Noraé. Moi ça va pas ce comme hyper, j'ai perdu. Perdu 40 000 bordel. À mon niveau c'est encore beaucoup 40 000. Putain. Mais je savais que l'autre... Tu savais? Bon! Ah, je m'en fous. Du coup, j'y vais en mode YOLO, rien à battre. Non, j'en ai pas un à battre. En fait, je suis encore déçu. Mais cassez-vous. Ils font trop mal. Ils me font trop mal. Ils sont trop chiants surtout. J'ai perdu 40 000. J'ai perdu 40 000. Je vous le dis parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de compassion. Ça compatit pas en fait. Je vais faire du boudin, je crois. Non voilà, ils parlent entre eux les gens. Je suis un support pour les discussions des autres. Comme une émission un peu nulle quoi, qu'on met quand on reçoit des potes. Mes condoléances pour tes 40k, bah merci, enfin. Perdu 40 000. Pour rien là, sur un vieux mob tout bidon. Tout casse-couille mais tout bidon quand même. Je vais où après là, je sais même pas où je veux... Il n'y avait pas une grotte? Il y avait une grotte plus haut, je crois. Mais non, mais je suis allée. Je peux pas faire ça, je me suis trompée. Allez, viens, suis-nous. Viens avec nous dans le monde d'Amitu. Vas-y, viens là. J'ai raté. Pas grave, pas grave, pas grave. Il
Elle me chope deux fois. Elle me chope deux fois. Je m'énerve un peu. Hein? Qu'est-ce que je fous là? Ah bah c'était ça la zone de lave. J'ai aucune idée de comment je suis venue ici. Je suis morte pas loin apparemment. What the fuck? Mais comment j'ai apparu ici? Comment je suis apparu? Comment? Come on. Ouais que ça me tue. Moi je pense pas. Oh bah c'est trop loin. Oh non ça devrait aller. Ouais. Is ok les pieds dans la lave, mon perso craint rien du tout. Craint R, voilà. Pas craint Ren. Arrête! Arrête les chauves-souris! Voilà. Courage, merci Grisou! Il m'entend pas, mais vous pouvez lui dire merci. Mais comment je suis arrivée ici? C'est grâce à l'effigie. En fait, je comprends comment, mais je vois pas où c'est du coup cet endroit. Je suis morte pas loin de cette zone, et le jeu m'a proposé de réapparaître à un point de respawn qui était pas loin du coup. Et sans m'expliquer comment. Mais bordel! Casse-couille. Pour un putain de PV, tu fais dèche. Je crame en max. Oh. 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 Ah! Qu'est-ce que c'est? Elle va exploser. Non, elle explose pas, mais je sentais bien le coup de Trafalgar. Arrête! C'est chiant! Mais c'est giga chiant! Bien joué, il y a un passage secret, mais que nenni. Mais je fais que descendre! Oh! As-tu entendu parler de la rumeur au sein de l'académie qui raconte qu'un voyage attend les plus pieux? Ceux-là même qui braveront le supplice de la Vierge de Fer jusqu'au bout. Il dit qu'une surprise récompense, une surprise récompensera peut-être ceux qui auront la volonté de confronter à cette épreuve. Voilà, bonne chance. Mais je n'ai point compris. De quoi tu parles? Ah, c'est ça? Ah, fallait se faire bouffer par la Vierge de Fer? Non. Je suis dans la Vierge de Fer? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ce mensonge? C'est vrai ces sottises? Ah si, c'est vrai, c'est stylé, hein. C'est fantastique quand même! Genre il fallait que je me fasse bouffer par la Vierge de Fer! C'est incroyable, j'étais trop fait exprès, j'ai fait trop exprès de perdre 40k quoi. En fait c'était trop prévu! Je savais ce qui allait se passer!
rapporte double, toi. Ouais, c'est pas ça qui va me rendre mes 40 000, hein. Allez, viens, suis-nous. Viens avec nous dans le vagin de la Vierge de Fer. Non mais si, je te visais aussi. Attends, attends, je vise, attends. Thierry, les vierges de mytho. Je comprends plus le chat. C'est la fin du voyage avant d'avoir fait. Faire de son charme, tu le concéderas. Mais je sais pas à qui tu parles. Tu parles à moi ou aux autres? Après, si t'es le père Fourat, dis-le moi tout de suite. Mais je veux savoir si, si juste c'était fait exprès, quoi. Mais je comprends mieux, je comprends mieux. Serge le mytho, ça je connais ça. Ah, mais oui, Serge le mytho. J'avais pas de jeu de mots, j'avais pas de jeu de mots. Ah, c'est rigolo ça! Je vais te buter! C'est quoi? C'est quoi? On dirait une sorte de grosse pustule cramée qui se déplace. Les pustules, c'est dégueu. Ah! Arrête! Oh! Tu m'as fait trop mal! Comment? Cité de grâce. Clair de lune éphémère. Waouh, c'est trop bâtard. C'est trop stylé. Juste remercier pour sa compagnie. Ouais, ouais. Et commencez pas à me prêter des propos qui ne me sont pas prêts. On ne me prête pas des propos. Je descends d'ailleurs. Ah ! Méchante. Mais pourquoi les limaces, elles sont toutes là où il y a un chemin ? Alors qu'elles pourraient être ailleurs. Ok, je me re-TP. Oh ! Je peux pas me TP. Ah bah parce que y a des limaces. C'est trop stylé! Pardon. Je ne prête pas mon popo. Égoïste. Pierre de Forge! J'aurais pu m'en douter. Aïe! Bon, faudrait qu'on aille à Dectus un jour quand même. Ah bah j'ai tout visité. Oh, y a pas de petit passage. Oh non. Y en a un là.
et mis des limaces. J'aime beaucoup. T'as dit ça résonne un peu hein. Voilà. Là ça passe. Ouais. Eh oh. Tu tombes dans un trou. Ah je. Oh mais ça sert à crafter des trucs. J'ai oublié ce que c'était. Mais c'est utile. Enfin non, ça aurait été utile à un moment, mais je crois que ça me sera plus utile. Bon, c'est pas grave. Arrête, Lix, qu'est-ce que tu me prêtes des propos? Bon. Oh, un boss. Elle a moins d'écho, là. Un boss. Je suis pas prête. Je vais mettre ça. Let's go. Oh non, une gorge de fer! Oh non, on a deux! Je vais galérer. Vise l'autre, ça veut pas. Bordel. Non. Je peux pas m'enfuir. L'enfer. Officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh ça, on le savait. Merci. Non, mais je savais. Bordel. Annie Grisou, merci. Merci pour le message. Trop tôt. Non, mais ça m'encourage, encouragez-moi. Oh, c'est trop loin. Oh, non, mais c'est trop loin. Non, j'ai trop de jeux à parcourir. Non, je ne t'ai pas parcouru ton corps, effaré, sans foi, et de l'âme. Pas besoin, je suis dans le noir, je m'en fiche. Ah. Bordel. Mais il n'y a pas de point de respawn ici. Bon, cela dit, je suis pas si loin, en fait. En fait, ils ok. Je vais continuer de le tenter sans invocation. On va voir, maintenant je suis ready. Allez, viens. Non, j'étais pas ready. Non, mais stop. Attends. J'en ai marre de me faire bim. Je me fais tellement bully. Non mais je vais retenter bien. Bientôt. Ah, je me faisais... Là je... Hein, bully hein. Oh non, je crame un peu. Non, je me suis trompée. Bon, bah je peux pas. Allez, entre vous là. C'est marrable, voilà. Bah là, ça s'enchaîne trop, je peux rien faire là.
Elle me jette à terre. Ah mais je vais tester sans invoque. Elle me jette à terre. Et alors que je peux pas bouger, elle me ramasse après pour me bouffer. Genre, je peux pas faire grand chose, quoi. Et puis à chaque fois, je suis occupée à récupérer mes trucs. Pff, franchement, j'aurais pas emmerdé avec ça. Hein. Pourquoi maintenant, je vois que les boss en double ? On dirait. Mince. J'ai pris ça de toute façon pour ce que ça me sert. Ok. Ah ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non, je me suis trompée. Non, non, non. Putain, je mets trop de temps. Allez, bois ton truc ! Elle fait une émote pendant 5 minutes là, elle m'énerve, elle m'énerve. Le jeu a compris que s'il respectait les règles avec toi, il perdait ça, c'est bien vrai ça. Mais c'est vrai quoi. Je joue à tout en double. Ah. Bon, mais je vais sûrement devoir le faire avec une invoque. Parce qu'en fait le problème c'est que mes animations sont trop lentes. Et on n'a pas de frame d'invulnérabilité. Quand on est vite, quand on esquive, oui. Mais quand on est jeté à terre, non. Et ce qui fait que bah, pendant les animations où on galère, bah, on est encore vulnérable. Mais on contrôle pas notre perso. On fait un casse-dalle. Bon casse-dalle. Salut les Dissixi. Ah, il est sorti par la bite celui-là. Merci. Non, ça va. Arrête. Faites-vous mal mutuellement. J'ai pas eu. Elle fait quoi l'autre? Elle fait quoi l'autre? Elle fait quoi l'autre? Je la vois pas. Arrête! Stop! Non! J'ai fait un truc de fou! Vous avez vu? J'ai enchaîné, j'ai... Elles sont quasi mortes! Regardez ça! Je les ai éclatés. Une fois qu'elles avaient le cloaque ouvert là. Je les ai éclatés, mais je suis décédée. Plus qu'à classe, j'adore ce jeu. Je suis astrologue. Et je suis mage des pieds au casque. C'est-à-dire que j'ai pas augmenté grand chose, sauf pour avoir les armes qui avaient l'air bien. Où j'ai dû augmenter un peu la dex ou un peu la force à certains moments. Mais sinon, full magie. Mais du coup, on m'a dit t'as vraiment pas assez de vie, mets de la vie. Alors là, j'en ai remis un petit peu. Mais sinon, full magie tout squishy. Ah, je te déteste. Mais non, mais j'ai esquivé. C'est pas drôle. En fait, j'ai un très bon sort avec mon... Oh, non, elle m'a bouffé. Regardez la capouillette de vie. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Je te défonce. Vas-y, petit coup d'épée, vite. Oui, je l'ai eu. Alors toi. Moi, ça fait pas grand-chose. Tout simplement. J'ai vu que des classes de full bourrin. Et bah là c'est un petit peu plus en traîtrise, je dirais ma classe. Voilà. Ma classe c'est pas pour les bourrins, c'est pour les lâches. J'adore ce gameplay. Le gameplay lâche, tu te mets à distance et tu m'arraves, tu sais, quand tu vois que tu peux pas battre un boss.
Tu fais comme ça. Avec full popo de mana. Et sinon, là j'avoue j'étais un peu en modulo parce que je faisais tellement de dommages avec mon épée. Parce que mon épée est très bien, elle utilise ma magie. J'ai des potions. Merci, vous êtes Zadoro. Je les ai eus. Ah là là. Le mont Gelmir. Ah bah voilà. C'est quoi l'arme qu'elles m'ont donnée? Et puis je suis où? Ah mais ouais, mais ça faut que j'y aille bientôt. C'était dans le ventre de la Vierge de Fer. Elles m'ont donné combien de runes ces deux-là? 21 000 runes. C'est nul, elles m'ont donné 10 000. Franchement, pour le risque et pour les 40 000 que j'ai perdu en venant, je trouve que le risque n'en vaut pas la chandelle. Y a rien ici, hein. Bah non, hein. Bon. Bah je pense qu'on va aller prendre l'ascenseur. Oh là là. Un peu déçu de la récompense, c'est un truc que je mettrais pas. Remarquez, on peut visiter un peu ici aussi, hein. Oh, je suis un peu au bord. Mais ça va, it's ok. Là-bas, il y a un truc, on va aller le prendre. D'abord, je me gratouille le nez. Et tu joues quoi, toi, Lady Sixty? Ou alors, peut-être que tu joues pas et t'as surtout vu en let's play. Oh, regardez ça! Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Je vais pas l'avoir. Non, je suis à chier. Oh, je suis naze. Pierre volcanique. Oh non, mais il m'a échappé. Vas-y. Oh, je suis dégoûtée. Il m'a échappé. Je joue pas, j'ai plus le skill pour ça. Mais si. Et surtout, j'ai pas le matos. Ah, ça, je comprends. Mais j'ai vu beaucoup de let's play. Ouais, bah, c'est vrai que. C'est difficile de passer à côté de d'Elden Ring. Quand on est un peu dans le Twitch game ou dans le YouTube game. Et j'aime bien aussi. Bah, vu que j'y joue, je le regarde. Je regarde des gens jouer que si j'ai déjà à peu près fait la zone, quoi. Parce que quand même j'ai envie de découvrir, mais c'est vrai que c'est pas désagréable à regarder, je trouve. Enfin je suis... Moi j'y joue donc forcément j'aime bien. Alors, on est où ici du coup? Qu'est-ce que c'est? On m'a envoyé un truc? Plateau d'Altus, enfin Altus, pas d'Altus. L'œil de la bête se met à trembler. Il y a l'œil de la bête, c'est-à-dire qu'il y a une morte flair. Mais c'est bien que j'entendais du bruit. Ils vont ressusciter? Putain. Je vais explorer tranquille. Oui, ils sont trop chiants. Ok, super, mais ici il y avait rien, même pas un petit coffre, même pas un petit truc, une nanny. Ah si, si, si. Quand même, je prends moi. J'ai raté, mais toi aussi. On recommence. Est-ce que je peux taper en restant à cheval parce que flemme? Ouais, je l'ai eu. Oh, ils se rechantent le chat. Oh, regardez comme c'est spectaculaire.
Ah, il va me spectaculer, quoi. Non, ce sera spectaculaire. Par contre, je salue les effets. What the fuck. Ah! Mais attends, je prépare mon sort. Ok. Ok, ça va être chiant. J'essaie de sauter. Mais je peux lui faire quelque chose ou quoi? Mais non, en fait, lui, je peux rien lui faire, hein. Faut que je trouve le nocha. Il est où le nocha? Ah, du loot. Ah, il est là. Arrête! Ah, j'ai raté mon truc. Il est passé à travers. Mais j'y crois pas. Arrête! Oui, attends. Attends. Oui, merci. J'avais le matos, je pense que je n'aurais plus de manette. C'est de pas te spoil, bah oui, c'est ça. En fait, ça me dérange pas plus que ça, mais j'avoue que. Parce que, en fait, dans ce jeu, je trouve qu'il y a des trucs que tu peux pas trop savoir seul et c'est bien qu'on te le dise. Mais j'ai envie d'avoir l'effet waouh. Non, mais c'est vrai, quand on arrive devant dans une zone ou devant un boss, j'aime bien ne pas l'avoir vu avant quand même. Après, bah, y a plein de trucs où si on me l'avait pas dit, je ne saurais pas. Je saurais pas. Surtout que moi, je joue pas aux Souls de base. Donc, sans l'aide des viewers ou des gens autour de moi qui jouent aussi, pas mal de trucs que j'aurais pas su, ouais. Flemme. Bon, c'est bien. 38 000 ! Ah, c'est déjà mieux là ! J'ai presque refait mes 40 000. Bon. Elle est bien cette zone, mais j'aurais bien aimé trouver un feu dans le coin. Un petit campement. Arrête! De faucon des tempêtes. Qu'il est comme nom de bestiole. Mais je vous déteste, vous. Et puis moi, bah, j'utilise pas la foi. Et la foi permet, quand tu les tues, de faire en sorte qu'ils ne ressuscitent pas. Sans avoir à les retuer, entre guillemets. Alors que moi, non, je suis obligée d'attendre qu'ils tombent. Hop, là, ça brille. Là, je mets un coup. C'est trop chiant. Parce qu'en plus, je peux pas les viser quand ils sont au sol, puisqu'ils sont censés être morts. On peut pas viser un mort. Ça se fait pas. Maxime autorisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai encore oublié de le mettre dans le titre, mais complètement, ouais. Je vais le mettre dans le titre. Bah y'a Mitou. Bon, ça croire que là c'est la meilleure. À force, hein. La propagande fonctionne. Alors. Je vais mettre mes petites V. Attends, je fais des trucs. Oh, un sup. Un sup. Il a looté. Il a pas looté. Oui. Bon, après on va prendre l'ascenseur. Un abat. C'est le YOLO.
Et là, il y aura peut-être un mage caché quelque part. Ça m'intéresse. Oh non, un coffre. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Talisman dragon de perle plus 1. What is that? Perle plus 1, mais qu'est-ce que c'est? On améliore grandement la résistance aux dégâts non physiques. Les dégâts non physiques, c'est quoi les dégâts magiques? Les dégâts dus au poison et tout ça C'est quoi non physique? La foi? Les dégâts de foi, peut-être? C'est possible que ce soit ça, puisque dragon c'est des incantations et c'est avec la foi. Allez les moutons! Oh non, ils roulent plus les moutons! Ah voilà! Ils ont l'air de tellement galérer à fuir en roulant. Mais ils sont trop drôles. Non. J'ai buté mon cheval. Non mais c'est vrai que j'oublie tout le temps que son double saut n'est pas, ne permet pas d'atténuer les dégâts de chute quoi. C'est... C'est là-haut? Mais j'en viens de là-haut. Et j'en viens. C'est là-haut, hein. C'est ça qu'elle me dit. Bon. Bon, on monte. Ah! Pas de lag. Bizarrement, ça me plaît pas. Alors, j'ai déjà dit là-dedans. Mais il y a sûrement, du coup, un petit endroit où rentrer. Et... Ou pas petit d'ailleurs. Oui, il y a quelque chose à faire. Genre là. Des catacombes, ça fait si longtemps. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de catacombes. J'ai oublié comment on faisait. Je savais, mais je voulais voir ce que ça faisait. Ça m'avait super mal. Parce que bien de les perdre. Je vais aller me régénérer quand même. Chute sécurité, c'est pas que j'ai pas confiance, hein, mais c'est que j'ai déjà perdu beaucoup aujourd'hui, quoi. Faudrait que je me crafte des trucs aussi. Un jour, quand j'aurai pas trop la flemme. Ça n'arrivera pas. Ah, j'aurais dû descendre avant. C'est vide. Ok. Faut tester, faut tester. Je me fatigue. Mais je me fatigue. Il s'est passé quoi? Quelle trajectoire j'avais prévue dans ma tête pour faire ça? Genre... Oui, c'est justifié. Là, je me comprends pas. C'est fatigant d'être moi, hein. Allez, on avance, hein.
bordel. Oui, game artefact. Oh, j'aime pas, c'est tout petit. Oh, je cours. Ah, il y a de la bouillasse. Non mais, vise-les. On a plein au plafond, ça va être trop chiant. Ah, les lags insup. J'entends d'autres. J'avais entendu. Ah, alors je t'ai pas visé. Parce que t'esquives super bien. Mais je t'avais quand même entendu. Il y a un piège. Je vais le faire courir. C'est rigolo! Il fait défoncer. Oh non! Oh non, 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 c'est les mobs du... Il me fait penser, ouais. Ah non, mais c'est vraiment les mêmes! Ah putain! C'est les mobs du château du temps dans Ocarina of Time! Ah non, de la forêt! De la forêt, qu'est-ce que c'est? Du village! Du village de. Du village du château. Ils te courent, ils font tout pareil! Une mana. Oui, c'est ça. Bah, le château d'Hyrule, en fait. Le village d'Hyrule. Le village du château d'Hyrule. Quand on est adulte, dans Ocarina of Time, et qu'on sort, et ben on voit le village, il est tout en ruine, tout dévasté. Et il n'y a que ces mobs-là à la place des villageois. Et c'est trop triste. Et ça, c'est un méchant. Et je vais... Genre, je suis pas full life. Électricité. Il était un peu faible ton wattage. Ok, une échelle. Mais j'ai pas fini de fouiller. Ça gêne un petit peu la cuisse quand même, l'épée, hein. Ah c'est rigolo. Ah je savais tellement en plus et je reste là, moi. J'en ai ? Je sais pas si j'en ai assez des clés et lames bières.
Eh, j'en ai... Ah, si, j'en ai assez. Parfois, il en faut deux. Oui, d'accord. Talisman du scorpion de foudre, qu'est-ce que c'est? Augmente l'attaque de foudre, mais réduit la résistance aux dégâts. Ouais, mais bon. Moi, j'ai pas des attaques de foudre, j'ai que de la magie de tube magie. Ça me plairait bien d'avoir des éléments un peu. Avoir du feu. Ça irait bien avec mes cheveux. Regarde bizarre, lui. Mais lui, peut-être encore plus. Non, c'est lui le plus bizarre. Mais lui, il cache un truc. Mais lui, il est bizarre. Mais lui, il est en colère. Mais lui, il est bizarre. Ah ! On a à battre. Ça va être chiant, ça va être chiant. J'ai raté, je le visais plus. Oui, il est bizarre. Ok. Bon, va falloir que je trouve la suite du coup. Plus de magie quoi. Y'a quoi là-bas? Bon, on va aller là déjà. Bonne nuit, Mugabin Dark. Oh, ouh, j'ai eu de la luck. Mais c'est que je suis très doué. Voilà, au moins ça s'active. Y'a pas de porte secrète. J'en trouve jamais dans les cryptes, moi. Enfin, dans les catacombes. J'en trouve jamais de manière générale, d'ailleurs. Alors j'essaye pas très souvent. Il y a juste une petite plante. Il y a rien d'autre, hein. Non, rien d'autre. Et lui, il cache un truc. Et lui, il est bizarre. Allez! Je viens d'où? Je viens pas de là. Un petit peu haut. Mais je suis pas passée de l'autre côté du grillage. Mais non. Enfin, du. Des barreaux. Ah, mais je sais où c'est. Enfin, je me doute. Je repars à pied, même si je vais jusqu'au début, comme ça, tout est nettoyé. Et on est bien. On est tranquille. Ah bah non, c'est ça ma solution. Ah, ouais. J'avais que ça en tête. En fait non, il y avait juste une plante. Ouais, c'est pas grand chose. Un peu déçu. Avoue, je suis un petit peu déçu. Voir s'il y a un autre étage. T'es là, non?
peut-être un autre, mais ça va tellement vite. Je vais regarder tout ce côté-là. Y'a rien. Ok, voilà, là on sait. Et tout ce côté-là. Ça me fait voir l'autre côté en même temps. Y'a rien. Bah y'a rien. Quoi? Mais c'est tout? Mais c'est naze! J'ai raté un truc, ça m'énerve. On va aller voir. J'ai 48 000. Attendez, il me faut combien? Il faut 51 000 je crois. On va les utiliser. Hein. Comment ça donne ça? Jason! On va en prendre un peu plus, hein. Ouais, c'est bon. Là, je peux level up. Monter de niveau. Monter l'endu. Ah non, je peux toujours pas! Théousque! Je suis parti loin où tu ne me rattraperas jamais. Je vais te montrer. Non, je peux en prendre que deux. Tant pis. Alors, je suis allée dans l'académie pour aller au sous-sol. Là-dedans, à cause de la vierge machin que j'ai tué une première fois, mais après, je suis tombée dans le vide, bref. J'ai dû redescendre, puis la vierge de fer m'a buté, j'ai perdu 40 000. Et du coup, quand la vierge de fer m'a bouffé, eh ben, je suis apparue dans la lave. Et du coup, après, eh ben, j'ai visité la lave et j'ai battu deux vierges de fer. J'ai fait ma rave. Et après, j'ai continué à visiter en dehors. Et du coup, en dehors, bah, y avait quoi? Il y avait plein de choses. Et c'était un autre endroit que je connais pas. Et après, je suis dans des catacombes. Je suis là. Et en fait, la Vierge de Fer, elle m'en fait voilà, apparaître là-dedans. Et après, faut que je prenne bientôt l'ascenseur de Dectus pour visiter. Mais là, et après j'aurai visité, mais là, je cherche à atteindre une petite zone que j'ai pas atteinte. Arrête. Mais t'as envoyé là où j'étais l'autre fois. Perso, j'ai pas pu les battre ces deux-là. J'étais la première avec XXX essai. Mais moi, franchement, ma magie m'a aidé de fou. Au départ, j'avais du mal, mais franchement, ça, avec mon niveau. Bordel! Arrête! J'explique des trucs! Voilà, ça avec mon niveau. Ça les tue en 4 coups. Ah non, je me suis dit mince, où sont mes runes? Mais ça va, je les ai utilisées. Mais garde pour plus tard, pas toutes ces saletés en même temps. Mais t'en as deux, ouais. Moi aussi j'en ai deux, c'est normal. Oh là là, je fais nawak là, je perds du temps. Alors que je veux juste visiter de fond en comble les catacombes, puisque je pourrais aller au boss, mais j'y vais pas, parce que je veux visiter de fond en comble les catacombes. Anticule de cristaux où j'ai couru. Elle pouvait pas me grab. Ah d'accord. J'avais juste des haches à éviter. Ah ok. Moi, m'ont un peu attrapé. Quand même. De ensemble, impossible. Mais je suis niveau...
Fait niveau 93 moi, ouais bah c'est ça. Ouais franchement c'était gérable que je suis au niveau. Et en vrai j'ai quand même pas beaucoup de vie je trouve. J'y vais. Cool. Arrêtez! J'y vais en mode YOLO aussi, j'avoue, je cherche la merde, mais j'en ai marre de eux. Je veux juste essayer de visiter les catacombes de fond en comble. Mais tu prends pas d'invoque toi, Sam? Moi j'en ai pas prise là pour les deux vierges de ferme. Si j'avais trop galéré, j'en aurais prise. Oh, ils sont trop chiants, leur coup me stun à chaque fois. C'est trop lourd quoi. Par exemple, Prenala. Impossible encore. Ça perd, ça va. Faut pas se planter sur les mini et trouver les bons. Ouais, t'as pas besoin de les tuer un coup et c'est bon. Mais ça pète avec le dragon, what the fuck. Ouais, bah moi j'ai réussi qu'en ayant une bonne épée. J'avais laissé de côté. Faut essayer de me trouver une épée qui lui fasse des dommages parce que moi je faisais zéro. Et là, ça est devenu possible. Faut encore que je monte sur la lame. Je vais regarder. Je pense pas, mais je vais essayer. Attends. J'ai pas l'impression que ça me donne accès à grand chose. Enfin, en tout cas, je vois rien avec lequel je puisse interagir. Et là, c'est la zone chiante. Non, alors, fais ça. Non, mais arrête! Voilà. Peut-être pas bien visité, hein. Mais bon, elle est très chiante cette zone. What? Ah mais d'accord, ça passe à travers comme ça, au calme LM. Moi aussi je vois pareil, je vais avancer tout lentement face à un boss et puis voilà. Mais c'est super. Le jeu est triche. Oh non! Il y a du chewing-gum dans les veuches. Allez! Oh! C'est trop dégueu. Mana. Ah trop chiant. Ah c'est trop chiant. Bon. Là y'a pas, là y'a pas. Ok. On a fait la zone là. Continue à fouiller hein. Là y'a plein de méchants. Ardèche. Est-ce que s'il marche dedans, ça marche? Bon, on va pas les laisser faire. Ah, je me suis trompée! Non, je me suis trompée de coup! Arrête, 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 arrête! Non, il me défonce! Oh, il fait trop mal!
Bon. Je veux le passage d'ici. C'est là-bas, hein. Ouais. Bon, je vais mieux explorer ce coin-là. Ah, ça peut marcher, ça. Attends! Mais je suis déjà montée à cet étage et j'y avais rien. Essaye de visiter le catavron de fond en comble, bordel, mais oui! Je sais pas ce que je vais faire avant ou après avoir fini l'académie en fait. Je sais pas. Je sais pas, franchement, j'ai du mal à niveau ordre, moi je crois que... Je crois que j'ai pas été la plus logique. J'ai couvert les dégâts sacrés. Et oui! Les dégâts contentants contre les gargouilles, ça passe nickel. Ouais. Je pense sérieusement à changer de spec. Bah ouais, si t'as les dégâts sacrés contre Edala, ça devrait pas être dégueu, je pense. Ça me semblerait logique. Putain, j'avais oublié. Arrête. C'est moi visiter les catacombes de Fondancombe, bordel. Mais laisse pas visiter les catacombes de Fondancombe. Un truc dans cette pièce. Là qu'il manque un truc, l'eau. Ah mais ça doit être ici, lui. Mais je suis trompée. Ah ça t'a... Oh, la porte extra. Non, te mêle pas de ce qui te regarde pas, toi. Ah, ton bâton nul. Bah, c'est moi, vite, il y a la catacombe devant mon bordel. Non, bah ça c'est fait, hein. Ça, on connaît. On est quand même. On verra. Il y a des pics. Il y a des pics qui piquent. Jamais de trucs, moi. Je trouve jamais rien. Bon. On va ici. En dessous, j'avais regardé, hein. Ah si, c'est en dessous. J'avais regardé, j'avais mal vu. Ça va, c'est la soluce. Ah, ils sont pleins. Je fais ça. Mais ça a visité la catacombe de fond en comble. Je vais faire une catacombe avec que des murs invisibles. Chaque fois une gargouille derrière. Ah c'est vrai. Je crois que j'en ai. C'est. Ah c'est ça. C'est un crabe. Je me doutais. Tu veux des crabes, ce truc-là. Oh, ils sont 12. C'est plus de magie. Attendez, attendez. Ah, ah, ah. Je suis squishy quand même, hein. Ah, ils m'ont enfin laissé visiter les catacombes de fond en comble. Si c'est manuel d'apôtre de dragons anciens. Mais waouh. Non, j'ouvre la porte, bien que ça ne serve à rien. Voilà, je l'ai utilisé. Et maintenant, je me TP. Ah, je peux pas me TP. Bon, bah, je me TP pas, en fait.
Ok. On va pouvoir faire le boss. Je vous observe. Désolé, c'était gratos. J'ai fait toutes les grottes de Lumia. Lurnia. J'ai peur de nettoyer la zone, de gratter. Il y a des boss au secours. Ouais, t'as vérifié sur la map quel niveau est censé être cette zone? Parce que ça aide un peu quand même. Un grand même. Ouais, mais un peu. Allez, on fait le boss. Je sais pas du tout ce que c'est, on va voir. Chaton électrique, ça va être trop chiant. Je le fais jamais au cac celui-là normalement. Ah, il est trop vénère. T'invoques pas, t'as grave plus confiance. C'est les petits chatons. Hein. Mais t'as ton cosplay de Pan. On parlait d'yeux tout à l'heure et du coup je me suis dessiné ça sur les mains. Qu'est-ce qu'on disait déjà? On se demandait à quel âge les yeux des enfants poussent. Dommage, ouais, t'as vu? Direct quoi. Mais j'ai pas le timing pour esquiver au cac. Du premier coup, j'ai abusé. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Ça, on savait, hein. Merci. Je sais pas si c'est le nom du monstre, mais je crois qu'il a marqué tout le monde. Mais oui, je sais pas, moi non plus, je sais pas. Si, il a un nom, ce monstre. Je sais pas son nom. Mais ouais, le monstre du labyrinthe de Pan. Si on a vu le labyrinthe de Pan, ça nous a marqué. Je l'ai pas vu. Ça nous a pas marqué. Alors, bon, on va aller enfin à l'ascenseur. Est-ce que je peux? L'ascenseur. Depuis le temps que je dois y aller. On y va. Mais je vais faire une micro-pause. Je vais arrêter la VOD qui dure 1h25. Ça va, c'est ok. Bisous VOD, chouchou. Arrêtez l'enregistrement et pas le streaming, faut pas se tromper.